Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Psyka TV sur les réseaux sociaux. Psyka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, le Bénin sous menace djihadiste, c'est de notoriété publique. La nouvelle date de bien des années. Des mesures hardies en vue du renforcement de la sécurité aux différentes zones supposées menacées avaient alors été prises. Mieux, dans une synergie d'action, le Bénin avec ses pairs du Burkina, du Togo et du Ghana ont opté en 2019 pour la mutualisation de les services de renseignement en somme. Une conjugaison des efforts pour contrer le mal. En 2021, un élu communal au niveau de la partie septentrionale du Bénin d'alerter sur un phénomène sœur, l'extrémisme religieux, qui pourrait prendre corps au niveau de sa localité si on y prend garde. Tollé alors de s'en suivre. Menace d'extrémisme violent dans le nord Bénin. De quoi s'alarmer? Le débat, mesdames, messieurs, avec un consultant en gestion de crise et un politique. Tous interpellés. Avant de les retrouver, votre page consacrée à la une des journaux. Merci d'être à nos côtés pour ce rendez-vous découverte des faits majeurs marquant l'actualité mérue par les canards. Landry Salanon pour nous en dire un peu plus. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etondji. Déjà jeudi, on retient quoi avec le déchaîné du jeudi? Écoutez, le déchaîné du jeudi nous plonge ce jeudi dans l'univers des coachs, Dieu seul sait. Ils pilulent sur la toile partout dans le monde avec des thérapies, des solutions parfois eux-mêmes mal formées. Le déchaîné du jeudi, en tout cas, qui semble voir un peu comme des pasteurs, des vendeurs de la foi, que ce métier contient aussi beaucoup de vendeurs d'illusions qui n'ont peut-être que pour intérêt juste assumer le quotidien, la pitance du jour. Au-delà de ça, on parle aussi de la presse de ce Béninois qui vient d'acquérir le statut de réfugié en France. Il s'agit du juge démissionnaire de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Batamansi, Essoé Batamansi, voilà. Il est désormais à Paris avec sa famille, lui qui a donc acquis le statut de réfugié politique. La liste s'allonge. Quelle sera la réaction de la rupture? S'interroge aussi la presse. Et puis, les cas de Covid-19 au Bénin augmentent. Évidemment, on enregistre de plus en plus de morts. Voilà. On invite notamment aussi dans la presse à observer les gestes barrières. Je vois les étrangers. Merci, Landry Salanon. On va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle de statut d'exilé au juge Batamansi. C'est un désaveu pour le régime de la rupture de Patrice Talon, nous dit le quotidien. Image des deux hommes à l'appui, Patrice Talon et puis du juge démissionnaire. Et cette interrogation du journal, quelle autre arme pour l'administration de Patrice Talon? Commission d'instruction de la CRIET, Rick Yamadougou comparait une troisième fois devant la chambre, la chambre d'instruction de la CRIET. Elle y est d'ailleurs déjà, depuis quelques heures. Et on parle toujours aussi de cette suspension des responsables de lycées techniques agricoles. La décision de Kako Maoyon, l'ancien ministre de l'enseignement secondaire, a été rapportée, nous dit par ailleurs Matin Libre. Dynamis Info parle de ce procès fait donc à la France après le statut de réfugié accordé donc au juge démissionnaire Batamansi. De quoi parlent ces férus du régime de la rupture, s'interroge donc le quotidien Dynamis Info et le quotidien de service public qui reste aussi dans ses arcanes de la justice. On parle d'atteinte à la pudeur avec le quotidien La Nation. Plusieurs cas sont donc déférés par la brigade des mœurs, nous dit donc le journal. Et puis on parle aussi de lutte contre la cybercriminalité, retenue que 9 individus suspects encore arrêtés dans la commune de Semepoudji.
L'événement précis parle de cette recrudescence des cas de coronavirus au Bénin. Attention, il y a urgence, selon le journal, d'une thérapie de choc. Et c'est la cloche qui semble donc trouver une solution à cette explosion des cas de contamination liée au Covid-19. Un appel plus pressant à se faire vacciner, tout sur la localisation des sites de vaccination, à découvrir évidemment dans les colonnes du quotidien. Et puis Point Média parle d'une autre information, hausse des prix de produits agricoles. Voilà cette interrogation du quotidien. À quand les conclusions du comité ad hoc? Le comité ad hoc mis en place il y a déjà 2 mois, dont parlait d'ailleurs dans la journée de ce mercredi un autre journal. Voilà, pour évidemment faire des propositions pour contrer la hausse des prix des produits de première nécessité. Bénin, pandémie de Covid-19, pique au niveau des décès, 10 décès en 24 heures. Voilà ce que nous avons donc enregistré au Bénin. Et puis on parle toujours à la une du journal de forêt sacrée de Soïkwe. Voilà, habitat de Vaudon, rare refuge de vie, nous dit Point Média. L'informateur s'intéresse à la commune de Cotonou avec cette récente décision prise par le maire. On tend vers un identifiant pour chaque propriété de parcelle. Vous avez la possibilité de lire le communiqué d'actualisation des données foncières lancées par la mairie de Cotonou. Et puis tentative d'assassinat d'un enfant de 2 ans par un couple. Voilà, cette affaire aussi est relayée sur la toile. Voici le récit des faits. L'homme est déjà déposé en prison, la femme sous convocation. Et puis l'économiste nous parle du développement des entreprises béninoises, les stratégies de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour booster l'innovation entrepreneuriale. Et puis cet appui des économies ouest-africaines, la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, voilà, finance 2 projets d'infrastructure au Niger. Et puis on finit avec le déchaîné du jeudi. La tradition s'observe sur la revue tous les jeudis avec l'univers des coachs désormais. Il pilule sur la toile, vous le savez très bien. Coach sur les réseaux sociaux, les magiciens de l'affaire. Voilà donc le titre que nous proposons, le déjeuner du jeudi, avec ces conversations entre plusieurs d'entre eux d'ailleurs. Et l'un très bien habillé qui dit, voilà, visiblement le coach, avant de commencer la formation, je vais collecter les 2000 francs pour l'inscription et 25 000 francs pour les frais de formation, donnant donc droit à une attestation. Et puis le thème de cette formation de ce coach, comment devenir milliardaire, le secret avec le coach Léger Inter, voilà le nom que lui attribue le déchaîné du jeudi. Et puis, j'allais dire un participant potentiel, Loki en l'occurrence, lui de répondre. Il dit, c'est mieux que tu nous donnes d'abord le secret et quand on sera milliardaire, on viendra donc te payer les 27 000 francs CFA. Voilà le déchaîné du jeudi qui nous parle, disons, de ses coachs. Il y en a sans doute de bons, mais aussi beaucoup de vendeurs d'illusions qui dispensent des formations qui n'ont jamais reçu. Ah oui, ainsi va. Le Monde, Landry, on démarre avec, pourquoi pas, là où vous avez commencé, Maté Libre, cet autre Béninois, un juge avec désormais un statut d'exilé. Il avait démissionné quelques jours avant l'arrestation de Ricky Amadougou. Ricky Amadougou qui a été arrêté le 3 mars dernier. Lui, c'est Essoé Batamossi. Il est donc juge à la criette, évidemment. On se souvient, après sa démission, il avait donc accordé des interviews à la fois à RFI et puis France 24, qui précisait que les décisions étaient donc rendues sous pression un peu. Par exemple, la mise sous mandat de dépôt de Ricky Amadougou. Il rappelait que des décisions, que des pressions lui avaient été donc, faites, et donc ils étaient donc obligés, voilà, les juges au niveau de la Chambre des libertés, donc de mettre sous mandat de dépôt Ricky Amadougou. Le garde des Sceaux avait répliqué en temps pour aussi apporter ses précisions qu'il ne le connaît même pas, a-t-il précisé, le ministre de la Justice, c'est vrai qu'un homme, et qui rappellerait que les juges étaient donc finalement indépendants. Alors Essoé Batamossi, pour les informations, était donc au Togo. Il s'est donc rendu à Paris, en tout cas aperçu à Paris en début de semaine. Et puis, il obtient désormais le statut de réfugié, lui, évidemment sa femme, et puis ses 4 enfants. Alors, Essoé Batamossi, jusque-là, en tout cas pour la liste officiellement, est donc le 2e.
depuis la conférence nationale des forces vives de la nation, en tout cas 90, où la plupart des réfugiés qui étaient dans les CRS sont donc rentrés parce qu'une amnistie avait été donc accordée, voilà, la conférence nationale. Le premier, en tout cas le cas célèbre, c'était Sébastien Djavan, lui aussi, sa femme et puis ses enfants, qui ont donc obtenu le statut de réfugié, lui aussi, qui est donc exilé à Paris, après évidemment ses condamnations par la CRIET à 20 ans. Voilà. Beaucoup de décisions sont également intervenues par la suite, telles que, par exemple, celle de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, demandant de rapporter tout cela. Eh bien, jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc, Essowé Batamossi se présente donc comme officiellement le deuxième Béninois qui obtient le statut de réfugié en France, Bénin, pays pourtant démocratique. Et à Matin Libre, de dire, c'est un désaveu pour le régime de la rupture. Quelle sera donc l'autre arme pour l'administration de Patrice Talon? Alors, un désaveu pour la rupture, c'est quand même vrai, parce qu'il n'est pas bien vu d'un œil, un pays en tout cas dit démocratique, tel que le Bénin, que des citoyens de ce pays voyagent et se retrouvent donc à Paris, la patrie mère, voilà, et pour obtenir le statut de réfugié. Logiquement, c'est dit quand même que pour les questions de liberté, à la fois d'opinion, également d'expression, il y a un problème qui se pose, même aussi de sécurité, parce que ça n'est donc pas le premier cas. Et au journal de conclure tout de même que les arguments avancés par le juge, en tout cas pour ça, semblent beaucoup plus convaincre la justice française que ceux avancés donc par le garde des Sceaux, qui estimait que les juges étaient donc indépendants. Alors, le fait d'accorder ce statut de réfugié à ce juge, parce que ça n'est pas rien, il faut quand même pourtant le préciser, traduit simplement le fait qu'il y a tout de même un malaise en République du Bénin, un malaise du point de vue de la liberté, ou j'allais dire tout aussi du point de vue de la sécurité de certains citoyens. C'est tout de même la France qui accorde ce statut de réfugié. Jusque-là, on croit que ce ne serait que uniquement Sébastien Jamais à Javon qui bénéficierait de ce statut. Mais non, un autre vient donc de l'accueillir. Et le souhait, ça n'est donc pas de voir quand même d'autres. Je ne veux pas le dire, ils ne seront pas contents avec moi, parce que peut-être, on sait que d'autres aussi, beaucoup sont aussi sur la liste. Ils ont beaucoup aussi fait la demande, actuellement à Paris, peut-être dans l'attente de pouvoir obtenir ce statut. Mais pour un pays démocratique, en tout cas, qui promeut la liberté d'expression, la défense également de la parole, la liberté de presse, ainsi de suite, la libre expression, je conviens aussi avec le journal Matin Libre que ça n'est pas bien vu d'un œil. En tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à ce niveau et qu'on en arrive donc, ce qui justifierait d'ailleurs ce statut donc, qui est donc accordé au juge Batamossi. Alors, quelle sera donc un peu la réaction du régime de la rupture? Alors, il est parti, on l'a vu, donc on parle de démission. Alors, question, c'est une question tout le monde qui se pose. Est-ce qu'officiellement, il a donc déposé une lettre de démission? Pour l'instant, en tout cas pour mes informations, je n'ai pas de réponse précise pour le moment. Il est donc parti dans la foulée. Donc, si une lettre officielle a été donc déposée pour dire que je démissionne, vous êtes libre d'appartenir à un corps aussi pour, évidemment, aussi, pour aussi démissionner. C'est aussi prévu. Donc, on appréciera sans doute et sans doute lui donner aussi acte de sa démission. Cependant, en revanche, j'allais dire, s'il est donc parti sans pouvoir déposer une lettre de démission, peut-être que dans la stratégie de l'administration, c'est de constater des cas d'absence, vous le savez très bien, et après donc 3 mois d'absence, une procédure, en tout cas, est donc engagée, logiquement pour les agents de la fonction publique, sans doute avec des relances, de venir reprendre votre poste, voilà, si une autre n'a pas été démissionnée, et après donc certaines relances, l'administration apprécierait évidemment, dans absence de pause, prolongé, donc on peut aller donc jusqu'à la radiation. Et c'est d'ailleurs la solution que redoute Matin Libre, rappelant le cas du capitaine Tréco, souvenez-vous très bien, des EUFOR, qui avait critiqué certaines actions du régime des œufs des forêts, c'était il y a quelques années, et puis il a été donc radié après donc 60 années d'arrêt de rigueur. Voilà, on sait très bien quand on vous flanque, 60 jours, pardon, excusez-moi, je dis 60 années, 60 jours d'arrêt de rigueur, voilà, de l'expression. Et d'ailleurs, dans la procédure, quand on vous flanque une telle sanction, vous savez que vous tendez progressivement déjà vers les questions de radiation. Donc, Matin Libre redoute évidemment la radiation pour ce juge. Lui-même a d'ailleurs dit « je démissionne ». Donc, est-ce que la radiation serait finalement, je ne sais pas, un étonnement pour lui? On attend en tout cas de voir un peu la procédure qui sera engagée. Mais reste qu'un deuxième Béninois officiellement a obtenu le statut de réfugié en France. Pour l'image du pays, ça pose évidemment problème. Ça pose problème, hein, Landry Salanon. Oui, et c'est sur cette note que nous allons nous séparer, quitte à nous revoir, ne vous en faites pas, demain.